Bonjour à tous et bienvenue sur Tirelire Cassé. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur le solo de Call of Duty Warzone en Battle Royale. Ça fait un moment que j'en ai pas posté, mais c'est vrai que depuis la saison 6, après les 3 ou 4 premiers jours de grâce, on a tellement été envahi par les tricheurs que le jeu était tout simplement devenu injouable. Alors il faut savoir que Call of Duty vous assigne sur un serveur avec un matchmaking intelligent et vous jouez contre des joueurs qui correspondent normalement à peu près à votre niveau. Ce qui se passe, c'est que vous en doutez, les tricheurs ont un niveau assez élevé avec un très bon ratio, étant donné qu'ils trichent. Et donc, si vous avez vous aussi un très bon niveau, vous tombez assez régulièrement sur eux, alors que si votre niveau est un peu plus bas, vous ne les croisez jamais, et donc vous devez toujours vous poser la question de savoir pourquoi est-ce que tout le monde parle des tricheurs. Donc voilà l'explication. Sur ce game, vous verrez, ça se passe plutôt pas mal. Je teste donc ma classe nerfée Asval avec le fusil R. Et je regarde jusqu'où est-ce qu'on peut aller en conditions réelles en Warzone Battle Royale. Et voilà, je ne vais pas faire trop de coupes dans ce gameplay, étant donné que voilà, vous êtes plusieurs à m'avoir fait la remarque, que vous souhaitiez voir les gameplays un peu moins découpés et un peu plus, entre guillemets, dans le live de l'événement. Du coup, je fais une tentative avec ce gameplay qui est quasiment pas coupé. Je vous souhaite une bonne vidéo et je vous dis à très vite sur Tirelire Cassé. Ciao! Battle Royale. Évitez à tout prix le gaz. Rejoignez la zone de sécurité. Je sais pas ce point à quoi arriver, mais bon. J'ai une cible ici. Tout soldat ennemi en approche. On a identifié les cibles. À vous de jouer. Mise à jour de l'objectif. Sécurisez cette position. Elle est où la caisse? Putain, elle est pas là. Au moins j'ai un peu dit. Comment on arrive là-haut par contre? C'est une blague. Ah. Putain, un snipe pousse dans le désert. Elle va être en panique un peu. Le gaz se rapproche. D'accord.
campouse. Je t'ai trouvé. Échec du contrat. Laissez tomber. Échec du contrat, j'étais très occupé. Un largage tactique approche de votre position. Drone ennemi au-dessus. On tente la classe de la façon. Silence de mort, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Tu sais pourquoi je le dis. Mal ce petit fusil. Largage tactique allié imminent. Ah. Fantôme. Ah. Voilà. Pas mal là. Drone ennemi au-dessus. C'est un joue. Oh, désolé. Une reconnaissance sur ma position. Un drone arrive sur zone. C'est une blague, ils sont deux dans le bâtiment qui est là, et un dans le bâtiment là. Au magasin. Ouais, le loup, je suis en queue de peloton, moi. J'attends les retardataires. Ça me va bien.
ça court à droite. Je sais pas à quelle distance je peux tuer avec ce fusil. Crever d'un gaz. Au fusil de snipe, moi c'est une catastrophe. Je vais jamais finir. Hein. Ça snipe là-haut. Allez, on grimpe. Le gaz se rapproche. Bouge. Bon, là, a priori, il n'y a plus personne. C'est terminé. Si, il reste un. La zone est sécurisée. Le gaz arrive. On va avoir une nouvelle zone de sécurité. Gage tactique approche de votre position. Il en reste encore un. Plus que 9 ennemis. Éliminez-les. Là, c'est le moment où en général tu fais plus le foufou là. Le gaz se rapproche. Changement de zone de sécurité. J'ai deux Semtex. J'ai deux grenades paralysantes. Putain, il reste des gens là. Vous allez mourir dans le gaz, les mecs. Je me déplace. Perdez du terrain. S'ils sont dans la maison là, ils vont nous cueillir. Alors, le gaz arrive. On va avoir une nouvelle zone de sécurité.
marche bien là. Je me mets là, comme ça je sais que personne peut arriver par derrière. Le gaz se rapproche. Changement de zone de sécurité. Ça c'est une bonne zone. Zone mobile. Attention, le gaz se rapproche. Changement de zone de sécurité. Le gaz avance. Oh non. Oh non. Vous étiez dans le top 5. Oh non. Oh là là. Non, bah pas de top 1 aujourd'hui. Mais bon, cette petite classe Asval. Je l'aime bien. Ah, je suis super dégoûté. Ouais. Toi, bouger. Voilà, il va crever. Et l'autre, on sait pas où il est. Ça, c'était vraiment une zone bien pourrie. Voilà. Y'a personne qui a gagné ? Si. Voilà, écoutez. On va s'arrêter là pour cette vidéo, du coup, ou cette classe avec donc les deux nouvelles armes de la saison 6. Mais écoutez, ça se passe plutôt pas mal et je vous dis à très vite. Ciao.